Notre gouvernement a toujours su agir avec détermination. La sécurité de la population est au centre de notre contribution politique sur la scène internationale. La mission de paix à laquelle nous participons en République démocratique du Congo est un succès. Le peuple de ce pays répond bien aux méthodes pacifiques occidentales. Grâce à la diminution de la guerre entre les différentes organisations, chaque jour est une victoire. Les interventions de nos forces rendent le pays de plus en plus sécuritaire pour ce peuple. Sur notre pays. Nos troupes envoyées en République démocratique du Congo n'œuvrent pas pour la paix, n'utilisent pas de méthodes pacifiques et ne respectent pas les droits humains. Nos dirigeants nous cachent la vérité, ils nous mentent tout simplement. Les soldats terrorisent les femmes et les fillettes par des actes de viol sauvage, les marquant à vie. Cette honte est notre responsabilité. À tous, cette population est sous le joug d'une nouvelle menace, camouflée sous le nom trompeur de mission pour la paix.